un bateau de 20 mètres, ok, qui fait la plupart tout ben la pêche qu'on appelle chillfish, ok, ben poisson qui nous amène dans le glaçon et tout ça, ben poisson qui nous amène à Ifré. Et normalement, ce bateau-là, il peut sortir pour la pêche pour à peu près une quinzaine de jours, ok. Et normalement, à bord, on a à peu près 14 marins, ok, y compris ce capitaine, ce mécanicien, ce ben. En fait, ce bateau, je qui travaille à bord, ce bateau pêcheur, tout là. Et là-dedans, c'est qu'il y a la moitié malgache et la moitié mauricienne. Et le bateau, son arrivage à peu près le 5, le 6 mai, et il peut venir à peu près avec 3-4 tonnes de poisson. Et en moyenne, c'est ce qu'il nous fait. Et normalement, le manager dit qu'il fait ce qu'il dit, il fait à l'île, il est au côté manger, au côté alimentation, il est au côté la cuisine, pendant le voyage. Je suis allé à la maison. Le rôle de capitaine à bord, ce n'est pas pour gérer le bateau d'une partie, mais en global. Quand il y a un malade, il assume le rôle de docteur. Et pour la discipline, autant aussi, il faut avoir une ambiance équilibrée. Enfin, moi, c'est voir la lune, hein, phase lunaire. C'est à partir de là que la pêche fait. Ouais. Maintenant, c'est marée noire. Bon, on sait déjà qu'on va, où est-ce qu'on va aller. C'est ça la préparation. Et quand elle est passée là. On a quitté ici le 20 avril, et là on a rentré hier le 6 mai. Voilà. Le voyage est assez moyen parce qu'il y a un mauvais temps là-bas, mais on arrive quand même à travailler pour avoir notre quota. Alors, on a 3,8 tonnes de poissons. Et on attend l'opération de débarquement. Ouais. Attends, les baillons. Quelles sont les procédures à faire d'abord avant? Il y a une responsable de santé poisson et puis responsable de santé humaine qui sont déjà passés et on a fait la formalité, c'est déjà fait. Mais on attend maintenant les baillons pour acheter les poissons. Allez, allez, partez. Mon client, c'est plus ou moins mon baillon. Pour vous trouver tout à l'heure, on a à peu près 15 à 20 baillons qui vont venir continuellement. Ils vont venir un après l'autre et on a 3 à la fois qui vont prendre poisson, 3 ou 4 à la fois qui vont prendre poisson. Et là, il n'en prend pas 400 kg, il en prend 500 kg, il en prend 50 kg. Il a un petit baillon qui a vendu le motocyclette. Ils ont tout gagné, ils ont tout gagné toute la vie. Il y a même un gros baillon qui travaille dans le bazar, il y a aussi qui prend 200-300 kg. Il y a un baillon qui prend pas. Il y a pour un tonne. Ce qu'il prend un tonne, ce qu'il fait, il prend avec moi. Il a distribué, il y a 15 baillons de motocyclette. Il donne maintenant. Et on va la faire comme ça. C'est ça le problème. Si je fais un place, quand ça m'a mis là, rentrer directement ici. Si je fais l'ouverture, c'est pas. Le cas de vendre poisson direct au public, c'est facile. Mais là, non. C'est ça, nous limiter, nous ne sommes pas capables de sa poisson. Nous ne sommes pas capables de servir trop longtemps aussi, parce qu'il est fait. Il est en glace. Il y a un constat toujours, on peut les vivre, on est fini. Mais ici, ce système-là, il est bien compliqué, il vient. Parce que vous avez pas ce commande glace, vous avez apprendre ici. Vous avez pas tout, vous avez déplacé là. Vous ne pouvez pas garder cette place au cœur. Ça, c'est le problème, c'est qu'il vient ici actuellement. Parce que si je dis ça, ok, je veux vous faire secteur la pêche, le pilier économique, en fait, c'est que je peux dire. Mais il n'est pas comme ça, nous ne pouvons pas avancer comme ça. Parce que là, nous retardons des portes. Parce que nous avons dit ça. Vous avez passé une commande, vous avez alloué le port pour ça. Nous avons débarqué, vous avez alloué le port débarqué. Pour prendre la son pareil, nous avons passé une commande, pareil. Si l'État, si fait une démarche, voilà, il met un ice plant là, il met un mandat comme ça. C'est une facilité. Mais la pêche, il n'y a aucune facilité, je te mets en bas avec moi, je vais te faire ça. Thank you.
causer ça, ça paye là nous parle d'embaiser si sa situation là c'est l'importation pas arrêter l'importation pas arrêter le nous moi en tant que capitaine mon ancien capitaine et mon bien fait développement pour le pays mais seulement nous pas protéger dans le pays il faut que le gouvernement aussi aide nous pour protéger nous. D'accord. Je suis prêt à rencontrer même le premier ministre, même le ministre de la marine en personne. Merci. S'il vous plaît. Merci. Aide-nous quand même pour la vente du poisson. C'est difficile.